Hey, de retour après le up de Bob avec Hit and Run. Hit and Run, c'est en fait si je tue quelqu'un, je peux bouger d'une case gratuitement. Il avait fait toutes ces actions, il me semble. 1, 2, 3. Non, il lui restait une action. Je suis plus sûr. On va dire qu'il a fait toutes ses actions. Allez, pour Bob. Bob a joué, donc faut que je lui sauve les miches. Silas va venir ici. Tirer là-dedans en espérant faire un feu de dragon. Donc 3 plus. Allez, allez, oui, il le fait. Yes. 4 réussites. Donc feu de dragon là-dessus, en une seule action, il nettoie tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il passe en rouge. Oh, il passe en rouge. Et on va faire pluie de... Bon, il a la... le chaos. Puissance un dé d'attaquer distance, non, pluie de fer. Ah. Ouais, pluie de fer. Donc 1, 2... Et il arrive en ultra raid en 2 bleus. Ok. Première action. Deuxième action. Il va tirer ici. Et donc il fait un mort. Deuxième action. Troisième action. Troisième action. Il tue les deux autres. Donc plus 3 d'adrénaline également. 1, 2, 3. 3 actions. Ouais, il va le faire. Non, il va rester là. Ah, j'hésite à venir ici et target là. Avec une petite chance de feu de dragon, ça peut être pas mal. Sinon, ça fait 1, 2. Je risque de le perdre. Ça sert à rien de faire ça. Ouais, je vais me limiter à ça. Bon, je m'arrête là, avec lui. Allez, Arnaud. Hop, une action, deux actions. Il va essayer d'ouvrir à 3+. Non. Troisième action. Non. Oh, putain. Quatrième action. Oui, il ouvre. Qu'est-ce qui pop ici? Bah du coup 5 walkers, je suis passé en rouge. Ok, et là 5 walkers également. 2, 3, 4 et 5. Donc il a fait 3 actions. Allez, deux, il va faire deux actions de tir à 5 plus là-dedans. Il en tue deux. Oh, joli! Et il en tue deux autres. Donc ça fait 4. 2, 3, 4. Très bien. Sylvia. Elle va faire 1. Elle va tirer 2 dés à 3 plus. Oui, elle le fait. Ouh. Hop. Et il lui reste encore une action. Elle va échanger à Arnaud. Elle va prendre l'épée de Vif Argent, l'épée courte. Elle va tout prendre à Arnaud en fait. Et ça marquera la fin du tour des héros. Déplacement. Donc, eux arrivent ici. Eux arrivent ici. Le nécro va vraiment finir par sortir. Mais bon, je ne peux pas tout faire. Ça descend là. Ça avance de 1. Ok. Encore un feu de dragon là. pop. En haut. 6. Walker.
combat. Nécro. 3 fatis. Oh, je m'en sors bien. 3 fatis. Ok. Allez. Phase des héros. On va jouer Silas d'office avec ses 4 dés là-dessus. À moins que j'utilise Puits de Fer. Je vais forcément. Allez, j'utilise Puits de Fer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Ah, 3 plus. Wow. Je fais 3 morts. Première action. Deuxième action, je n'ai pas utilisé puits de fer. Deux morts. Deuxième action. Troisième action. Deux morts. Allez, quatrième action juste derrière. Deux morts. Et il reste. Donc ça c'est quatrième action là. Est-ce qu'il reste ici comme une tourelle? Non, il va se mettre là. Il va se mettre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points d'XP. Enfin, pas d'XP, d'adrénaline. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce sera une sacrée game pour Silas, hein. Donc, il a joué. Bob va essayer de terminer. Le fatigue est là avec son carreau. Donc 2 dés à 4, à 4+. Hop, 5, il le fait. Donc il le tue. Première action. Deuxième action. Troisième action. Quatrième action. Alors, il a fait 1, 2, 3, 4, non. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Je crois en Silas. Ok. Oh non, il va faire plutôt transmutation en fait. Il a transmutation. On va faire transmutation. On va défausser l'épée courte. Ouais, on va défausser l'épée courte. Cuirassé zombie wolf. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire là? Alors, Arnaud. Action gratuite. Action gratuite. Carreau en pagaille. Ok. Donc, première action. Désintégration. Là-dedans. 3D à 5+. J'ai noté les actions là parce que. Première action. Rien du tout. Deuxième action. Allez, allez, oui, 3 morts. Pour la deuxième action. Troisième action. Un mort. Quatrième et dernière action, du coup. Ah, il le fait pas. Ok. Sylvia. Elle n'est pas en jaune, c'est compliqué puisqu'elle fait 1, 2, 3, elle tape. Mais si elle loupe, ben c'est croquette. Alors elle va faire autrement. Elle fait 1, 2, ouais, elle va faire ça. 1. En deuxième action, elle va tirer avec son arbalète à points.
3 plus. Oui, elle le fait. Donc, elle passe en jaune, elle gagne enfin sa quatrième action. Donc, c'était deux actions. 1, 2, elle tire. 3 actions, elle vient là. Et 4 actions, elle chope la clé. Et 5 d'XP. 1, 4, 5. Ok. Bon. J'ai mis de l'XP, pas de l'XP, de l'adrénaline à Arnaud parce que j'avais oublié de lui mettre quand il a nettoyé la pièce. Alors, est-ce que je peux me permettre de me barrer? J'ai quoi en équipement? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 6, ah non, ça compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, ça fait 4 et demi. J'ai plus ça. Ça fait 5. Il m'en manque encore quelques-unes pour arriver à nourrir toute la troupe. Et j'aurais fait que gagner 10 XP, mais c'est quand même déjà pas mal. Allez, je me barre. Là, il y a un choix en fait. Soit j'essaye de tenir un maximum pour XP comme un fou, soit je me barre. Limite, et je nourris juste la troupe. Allez, je vais voir ce que ça donne. Je vais voir ce que ça donne. J'ai essayé de me camper un petit peu ici, là, pour voir ce que ça donne, pour essayer de choper quelques équipements et me barrer. J'ai trop peur. Là, c'est la mission de récupération de Bob. J'ai trop peur de me faire avoiner. Alors, on va essayer d'être raisonnable. Hop. Eux arrivent ici. Là. Le nécro arrive ici. Prochain tour, c'est définitif pour lui à ce niveau-là. Qu'est-ce qui spawn là-haut? Trois fatis. Ouais, en plus, il y a tellement de mobs qui pop à chaque carte que les doubles activations vont arriver. Hein. En bas, Sea Walker. Hop, Sea Walker. Et le nécromancien. Bah alors là, on se pose même pas la question de savoir si on va le chercher ou pas. Hop, cette zone devient définitive. Ouais, ça sonne le glas, ça. Ok. On récupère les petites pièces naines. Sylvia. 1, 2, 3, 4. Voilà. Toi, tu te barres. Arnaud, action gratuite de drop, soin. Oh! Oh, c'était Sylvia qui était esquintée. Alors, 1, il bouge. Même pas. Action gratuite, il fouille. Action gratuite, il bouge. Voilà. Maintenant, on a ces 4 actions. 1, 2, ouais, 3. Et 4, il soigne Sylvia. Hop, allez, je le mets là. Hop, il soigne Sylvia. Ah, faudrait que j'essaye de le conserver, soin. Ça serait quand même pas mal. On va voir. Et j'ai pas d'alchimiste, je suis bête. Je peux pas le conserver. Donc, Arnaud a joué. Allez, je compte beaucoup sur Silas quand même, hein. Ouais, Silas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on va frapper ici. Il va faire 3 morts. Première action. Deuxième action. Hop, il va faire 4. Tout loupé. Super. Ça, c'était sa deuxième action. Troisième action, il va essayer de tirer ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 et un 7. Oh, il réussit tout. Bah, hop là, feu de dragon. C'est réglé. Donc, 7, 8, 9, 10. Il passe à 24.
Donc, il acquiert bout portant. Il faut que je mette. L'ultra raid est vraiment complètement pété avec des armes comme ça. Hein. Hop, il a bout portant en plus. Donc, c'était sa troisième action. On va essayer de tirer avec 4 dés là-dessus. Il en tue un. Ça, c'était sa quatrième action. Et action à distance gratuite. Et il tue les deux autres. Encore 3 d'XP. 1, 2, 3. Et ben disons, si là c'est vraiment sa game. Hein. Ok. Donc, à Bob de jouer. Il va essayer de clean ça. 1, 2. Il va tirer là-dedans. À 4 plus. Donc, il en fait 1. Le Lucky. Non. Donc, il tue le Fatih. Et dernière action, il va tirer sur Labo. Et il la tue. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5. Avec les équipements que j'ai chopés, c'est un vrai zombicide. Hop, hop. Silas a joué, Arnaud a joué, Sylvia a joué, tout le monde a joué. Ok, phase des zonzons. Il n'y a quasiment plus personne sur le plateau. C'est très agréable pour le coup. Hop, eux avancent. Et qu'est-ce qu'on a tout en haut? Une double invasion ici. Avec une double invasion et une double invasion. Oh, je déteste ça. Ici, on a 3 runners et 5 walkers. 1, 2, 3 runners, 5 walkers. Donc ça c'était pour la première double invasion. Et l'autre double invasion en haut, on aura 2 runners et un nécromancien. Donc 2 runners, hop, et un nécromancien. Qui lui va popper. C'est pas une zone de nécromancien, pardon. Il va popper avec 6 walkers. Et ça se repeuple vite quand même, hein. 6 walkers. Ok. Donc. Sylvia peut nous faire 1, 2, 3 et essayer de nous ouvrir la porte. Allez, 1, 2, 3 et essayer de nous ouvrir la porte. Sur un 4 plus. Ah, elle le fait pas! Ah. C'est insupportable. Silas. Eh bien, il va essayer de défourailler tout ça. Hein. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, 8 dés à 3+. Ok. Bah, feu de dragon, blâme. Il y a 4 succès de plus. Donc une seule action peut me permettre de nettoyer tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop. Une action. Deux actions. Trois actions. Fil y va, hein. Les autres, ils peuvent le suivre. Un, deux, ouais. Allez, hop. Il tire là-dessus. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 dés. Allez, 4 réussites au moins. Comme ça, c'est encore un feu de dragon et c'est réglé. Alors, bah non, que 2 de réussite. Ah, c'est peut-être comme d'habitude, un ex-exel qui va me coûter la game. Silas a joué. Du coup, Bob. On va
va tirer 2D 4 plus. Il loupe tous les deux, mais il a Lucky. Il en tue un. Ok. Dernière action. Hop, Lucky. Il en tue un. Ok. C'était pas fameux. Arnaud. Un, deux, trois. Il drop gratuitement. Il a foudre qui va mettre. Donc, déplacement gratuit, une action, deux actions, fouille gratuite, 3, 4, il reste deux actions, donc il va utiliser la foudre là-dessus, 1, 4+, premier, ça réussit, deuxième, oh, il me sauve, ça réussit, les deux, 1, 2 d'adrénaline, et ils ont tous joué, on récupère ça, et là on avance. Hop, on avance de 1. Là, on avance de 2. Alors, le nécro va faire comment? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. À part l'extérieur, hein. Il faut que ce soit plus compliqué. Alors, comment je vais la jouer? Ça serait bien que là j'arrive à nettoyer ça et que Silas je fasse là et boum, feu de dragon. Ça peut être quand même assez funky. Est-ce que je dois 4 succès ou plus lors d'une action à distance avec cette arme, feu du dragon dans la zone ciblée? Ouais, j'ai pas le choix en fait. Donc je pourrais pas me déplacer dans cette zone-là pour tuer tout le reste. C'est quand même dommage. Donc, allez, on va jouer Bob. Bob avec ses 2 dés. 4 plus là-dessus. Je relance à cause de Lucky. Donc 2 morts. Première action, deuxième action. Oh joli. Deux morts, deuxième action, troisième action. Oui, bah bien joué Bob. 5 morts. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, trois actions, il en a une quatrième. Quatrième, on va transmute une bile de dragon. En épée. Ok. Et ça faisait 4. Ok. Donc Bob a joué. Silas 1. Il va tirer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ben 4 succès. Feu dragon. Blam! Oh, elle est trop forte cette arme, c'est un truc de fou. Donc ça fait 7 points d'XP. Il est encore en rouge. On va lui donner plus un dé à distance. Ok. Et il revient à ça. Donc 1, 2, 3, 4 et il drop. Non. Il n'y a pas d'action gratuite de mouvement. Donc il ne drop pas. J'aurais dû dropper avant. Ok pour Silas. Allez, Sylvia, tu nous ouvres la porte cette fois. 4 plus. Non, première action. Deuxième action. Oui, elle ouvre la porte. Deuxième action. Hein. On pop ici tous les runners standards. Il n'y a plus rien. Wouhou!
Donc, deuxième action. Troisième action. Quatrième action. Elle essaye d'ouvrir la porte. Elle y arrive. Bien joué, Sylvia. Ok. Donc, il n'y a plus personne sur le plateau. Qu'est-ce que j'ai. Alors, j'ai Arnaud qui doit jouer. Ouais, Arnaud qui doit jouer. Qu'est-ce que j'ai en ma possession? Donc, 1, 2, 3. On va compter comme 4, parce que ça coûte un gold, en fait, ça nourrit. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, 11, parce qu'il n'y a que court. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, il me faut 6, 12, 12 et 12, 24. Il me faut 24 pour nourrir toute ma troupe. Donc j'ai pas encore assez pour nourrir tout le monde. Ok. Donc au moins ça, c'est réglé. On va se mettre là avec Arnaud gratuitement. On va dropper. Ah, même pas, il va rester à côté de Bob. Ouais. J'ai rien fait. Il drop une première fois. Boule de feu. Ok. J'ai déjà transmuté, en fait. Je voulais transmuter une deuxième fois, mais ça sert à rien. Allez, je m'arrête là. Je m'arrête là. Allez, je fais juste un tour. À dropper des équipements. Je vais pas rester là à farmer, c'est inutile. Enfin, ça plaît pas, c'est pas cool. Donc je fais un tour à dropper et je me barre. Phase de spawn en haut. On va avoir trois runners. Farmer pour farmer sur une quête fan mage. Je trouve ça moyen. En bas. Une abo et trois runners. Un, deux, trois runners. Et le retour de l'abomination. Ok. Allez. Sylvia va dropper. Bill le dragon. Ok. Un, deux, trois. Elle se barre. Silas. Qui a fait quand même une bonne game, on va essayer de dropper. Un espadon enflammé. Ah bah dis donc, il en aurait eu des trucs. Un, hop, il se barre. Bob va dropper une torche. Bah il la transmute direct. Même pas, non. Non, 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 non. On va transmute un objet qui nous sert à rien. On va transmute l'arc court. Hop, on transmute l'arc court en arc long. Et bah parfait, c'est thématique. Bobby, donc du coup il a fait 1, 2, 3 et 4. Il reste plus qu'Arnaud. Et bah, action gratuite de fouille. Une épée. 1, 2 et 3. Et ben, c'est la fin de la game. On a win! Et on a récupéré Bob. Parfait. Du coup, qu'est-ce que ça donne? On enlève les objets, hop, de base. On n'a plus d'objets de base à ce niveau-là. À ce niveau-là non plus. À ce niveau-là. Ok. Allez, je débarrasse un petit peu tout ça, on fait la phase de campement ensemble tout de suite, histoire que ce soit un peu plus clair pour la première fois. Allez, à tout de suite! Yo!